ce qu'est la beauté, pleine de grâce, nous t'admirons. Ave, 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 Maria, reine chez nous, soyez la Madone, on prie à genoux, qui sourit et pardonne.
c'est certes avoir un regard réaliste sur le monde et sur l'Église. Pas s'illusionner, mais regarder les choses en face telles qu'elles sont. Cette réalité est parfois dure. Quand on regarde nos propres vies, la vie du monde, ce qui se passe à travers le monde, il faut le regarder, il faut être attentif. Ce qui est très important pour nous croyants, c'est de regarder les choses d'un regard excentré, d'un regard théologal, de regarder les choses comme Dieu les voit, à partir de Dieu. Et du coup, parfois le pessimisme qu'on peut avoir en se regardant soi-même, regardant les autres, le fatalisme, la résignation qui nous marque, est appelé à se convertir. Regarder les choses avec espérance, avec confiance. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous apporte la lumière, la tendresse de sa présence. Amen. Amen. Masculine. Pourquoi masculine? Parce qu'il veut. Lui, il est l'époux de l'humanité. Et son épouse, c'est l'Église. Son épouse, c'est cette humanité nouvelle. Cette humanité nouvelle qui se donne à son Seigneur. C'est ça l'épouse. L'épouse, c'est celle qui repose dans les bras et qui se confie en son époux. N'est-ce pas, Sabine? Donc, une épouse se confie en son époux. Et le Christ est l'époux au moment de l'institution de l'Eucharistie. L'époux qui va faire quoi? Qui va donner sa vie. Qui va se sacrifier, qui va rendre sacré tout ce qu'il est sur l'autel de la croix. Je vais déjà arriver avec mes gros sabots. Et donc, il demande à des hommes d'être... J'ai employé le mot « icône » parce qu'il est employé par Jean-Paul II dans un autre contexte et je vais vous expliquer. Il demande à des hommes d'être les icônes de sa masculinité, de sa fonction d'époux face à une Église. Je dis bien des icônes. Une icône, c'est quoi? C'est un morceau de bois sur lequel on a peint une image du Christ. Vous et moi, sauf si nous sommes des idolâtres, nous savons qu'une icône n'est pas ce que nous adorons, c'est pas l'icône qu'on adore, c'est ce que l'icône représente. Il n'y a pas photo, ça, justement, il y a photo. Vous avez voulu être traité non seulement en serviteur, mais comme un esclave. Et même un malfaiteur. Les humiliations ont été votre pain quotidien. Le rebut du peuple, la honte du genre humain. Je ne veux surtout pas chercher à paraître pour attirer l'estime d'autrui. Merci mon Dieu de m'avoir fait connaître que tout ce que l'on estime n'est que folie. Miséricorde divine, espérance des désespérés, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, source de miracles et de merveilles, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous donnons la vie éternelle, j'ai confiance en toi.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Pardon.